Vous avez aimé la saga Fast and Furious? Vous allez adorer rencontrer ceux qui sont Fast and Furious dans la vraie vie. Nous avons suivi des fous du volant qui organisent, comme dans les films, des courses illégales en plein cœur des villes américaines. La loi, les flics, ça me fait pas peur. Je veux dire, si tu te fais prendre, tu te fais prendre. Ça fait partie du jeu. Coup d'accélérateur, coup de chaud, coup de sang. Soyons fair play. Ils vivent à 250 km/h avec dans leur rétroviseur la police à leur trousse. Une immersion en apnée dans le phénomène qui a inspiré le film. Des policiers que nous avons également suivis dans leur traque quotidienne contre les racers, qui tous les jours font des victimes. À terre ! Tout de suite ! Ici, la réalité dépasse la fiction et s'invite régulièrement dans les pages faits divers des journaux. Ils ont percuté un semi-remorque et le semi-remorque s'est d'abord soulevé et a démoli la voiture où ma fille se trouvait. Des courses illégales de rue, mais aussi des fans hardcore, des fous du volant, des malades de la vitesse, des amoureux de leur voiture. C'est dans notre sang, c'est... faut que ça sente l'essence. Un mode de vie sans limite, constamment sur la brèche. Accrochez-vous. Fast and Furious, c'est l'histoire d'un film qui s'est inspiré d'une réalité, les courses de rue illégales aux États-Unis. Un phénomène très en vogue et qui fait des ravages un peu partout dans le monde. Mais avant toute chose, pour comprendre d'où vient ce phénomène des racers, il faut remonter une centaine d'années en arrière, à l'époque de la Prohibition, aux États-Unis. C'était des moonshiners, c'était des passeurs, des contrebandiers d'alcool pendant la Prohibition qui ont customisé leur voiture pour échapper à la police. Et lorsqu'ils n'avaient pas d'alcool à passer, ils décidaient de se confronter entre eux sur des champs, donc c'est d'où le principe du circuit ovale. Et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à aimer les belles voitures, à customiser leurs voitures. On est dans le même principe, course poursuite avec la police, ce jeu du chat à la souris. À tombeau ouvert, c'est-à-dire qu'ils roulaient les phares éteints dans les bois et donc ils roulaient uniquement à la lumière de la lune pour pouvoir trouver leur chemin et échapper à la police. Donc c'était vraiment, ouais, c'est ça, c'est les ancêtres des racers. Cette tradition des courses de rue remonte donc aux années 1920, il y a presque un siècle. Et le phénomène semble très loin de s'essouffler. Pour en savoir plus, nous avons rencontré un journaliste de Los Angeles qui suit tout particulièrement l'activité soutenue des racers dans sa ville. Et pour obtenir des tuyaux, rien de mieux pour lui que les réseaux sociaux. Ça, c'est un des comptes qu'on connaît. L'accès aux comptes est protégé, mais on a quelques reporters qui sont membres de ce groupe. Donc, on garde un œil dessus. J'ai déjà été accepté, puis viré, parce qu'ils ont découvert que j'étais reporter. Mais quand tu es dans ces groupes, ils postent le jeudi soir l'endroit où ils vont se rassembler. En général, c'est dans un grand parking, près d'une autoroute, en périphérie de la ville, où les limitations peuvent atteindre 80-90 km/h. Mais souvent, c'est un lieu secret. Ils font de leur mieux pour le garder secret, mais ça arrive quand même aux oreilles des autorités. Et quand ça arrive à leurs oreilles, les autorités arrivent et le groupe se disperse. Mais après, ils se retrouvent ailleurs. Rescue 75, engine 75. Ce soir, il a eu vent qu'une course s'organisait. Il accepte que nous le suivions. Pour lui, les films de voitures ont lancé l'intérêt des jeunes pour les courses de rue et les dangers qui vont avec. Je pense effectivement que les films Fast and Furious ont une influence sur les jeunes conducteurs. Surtout parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est fait. Ils ne comprennent pas qu'ils utilisent des cascadeurs et de l'infographie. Ils pensent qu'on peut faire ça dans la vraie vie.
Il nous emmène à Valencia, au nord de Los Angeles. C'est dans ce coin qu'une course sauvage semble être sur le point de s'organiser. Sur les réseaux sociaux, on a reçu un message nous informant que des amateurs de course ont prévu de se réunir ce soir dans une zone près de Valencia. C'est un endroit où il y a beaucoup de regroupements de courses de rue. On va essayer de checker ça. Il est 20 heures passées. Austin Dev parcourt les rues de la ville à la recherche des pilotes. La course est illégale. L'endroit n'a donc pas été dévoilé et le message est codé pour brouiller la surveillance de la police. Les lieux de rendez-vous sont souvent des parkings ou des aires d'autoroute en périphérie de la ville. On espère pouvoir rencontrer quelqu'un pour lui parler et comprendre pourquoi ils se réunissent quand même, malgré la pluie. Au bout de quelques minutes, le reporter touche au but. Il semble que nous les ayons enfin trouvés. Est-ce la pluie qui rend la chaussée glissante ou la présence suspecte de notre voiture? Les racers semblent tout d'un coup renoncer et nous fausse compagnie. Le reporter fait chou blanc cette fois-ci. Mais à quelques kilomètres de là, d'autres amateurs de sensations fortes s'affichent tranquillement devant nos caméras. Voici Bezadagaz. La journée, ce père d'une famille de 4 enfants possède un garage à Los Angeles. Mais la nuit tombée, il se fait appeler Driver B. Il organise et participe, en toute illégalité, à des courses de voitures avec des bolides customisés en plein cœur de la ville. La loi, les flics, ça me fait pas peur. Je veux dire, si tu te fais prendre, tu te fais prendre. Ça fait partie du jeu. Dans cette version moderne des gendarmes et des voleurs, il y a des étapes à suivre. D'abord, mettre littéralement les mains dans le cambouis et booster la voiture. Moi, j'ai commencé la course avec une voiture qui, en sortant de l'usine, était à 90 chevaux. Je l'ai boostée à 1000 chevaux. Ça m'a demandé de l'argent, du temps, du travail. C'est pas un jeu bon marché, hein. Modifier des voitures qui vont aussi vite, ça peut coûter jusqu'à 20 000 ou 30 000 dollars. Pour l'aider, Bezad peut compter sur un sponsor, une marque qu'il affiche fièrement sur ses vêtements et qui le suit depuis des années. L'illégalité de ses activités ne la gêne manifestement pas, car Bezad a une qualité rare. C'est un excellent pilote. Un bon pilote, c'est avant tout une question d'attitude, de technique, un peu comme dans le sport automobile. Et surtout, il faut savoir conduire sa voiture. Beaucoup de gens achètent des voitures puissantes, mais ne savent pas les conduire. Ils perdent le contrôle ou se crashent. Ce soir, et comme environ 3 soirs par semaine, une course est organisée. 2 équipes vont s'affronter. Les 5 coureurs de l'équipe de Bezadagaz l'ont rejoint dans son garage. Une heure avant le coup d'envoi, les dernières finitions sont apportées au véhicule afin de les transformer en machines de guerre. Ils font des ajustements sur le moteur pour le rendre encore plus puissant. Ici, rien n'est laissé au hasard. Il faut dire que les sommes en jeu sont conséquentes. En 10 secondes, le temps d'une course, vous pouvez gagner ou perdre entre 1000 et 10 000 dollars. Grâce à son activité dans les courses illégales, Bezadagaz fait bien plus qu'arrondir ses fins de mois. Il peut compter sur plusieurs milliers de dollars de bonus. Rendez-vous station essence. Ok, on part du garage et on se retrouve à la station essence. Avant chaque course, les équipes se rejoignent dans des parkings à proximité de la route qui va leur servir de terrain de jeu. Pour l'heure, ils optent pour une conduite discrète. Ce n'est pas le moment de se faire repérer par la police de Los Angeles. On ne reste pas trop longtemps dans la rue. On reste ici grosso modo entre 10 et 15 minutes. On se met d'accord sur une course, on s'en va et s'il s'avère qu'il y en a d'autres, on revient. C'est dans ce parking d'une station-service que les participants se rencontrent, se toisent, prennent des forces avant la course et contrôlent les véhicules de tous les participants. Là, ils vérifient la configuration, comment la voiture a fonctionné et s'ils peuvent faire des ajustements dessus.
C'est à ce moment-là que les racers s'entendent sur les sommes que vont pouvoir leur apporter les courses. Ok. Là, ils vont s'affronter pour 1 000 $. $1 000 en jeu entre les deux compétiteurs. Mais toutes les personnes présentes pourront également parier sur le gagnant. C'est comme ça que compte se rémunérer Behzad Agaz, qui ce soir organise la course, mais ne conduit pas. Ok, $1 000. Allez, on y va. Allez. Toutes les équipes se dirigent vers la route qui va leur servir de circuit. Une grande ligne droite limitée à 70 km/h qui reste ouverte à la circulation. Laissez passer le camion, les gars. Leurs bolides, eux, vont monter jusqu'à 250 km/h. Le spectacle des courses de rue attire beaucoup de monde, de 7 à 77 ans. L'univers des racers est un monde à part, avec ses propres rituels d'avant-course. Faire chauffer le bitume, crisser les pneus, vérifier leur adhérence sur des routes qui ne sont normalement pas dédiées aux courses automobiles. Ce qu'ils font là, c'est chauffer les pneus pour qu'ils adhèrent davantage. Il est 23h30. Le départ de la course entre les deux premiers bolides va pouvoir être donné. Ici, une course ne dure que quelques secondes. Elle s'enchaîne rapidement. La ligne d'arrivée, c'est là-bas, là où il y a des gens, là. Vous la voyez? Il y a une allée et il y a un signe. Mais très vite, une dispute éclate. Quand des milliers de dollars sont en jeu, les esprits s'échauffent rapidement. Le signal censé donner le départ aurait été mal effectué. Laisse-moi faire le top départ, laisse-moi m'occuper de la lumière. La tension monte. Il faut dire qu'ici, tout le monde est armé. Et lorsqu'en 10 secondes, on perd $5 000, il y a de quoi être à cran. Le problème, c'est qu'il faut respecter les règles, c'est tout. Je comprends, mais soyons fair-play. Soyons fair-play. Écoute, soyons fair-play. On va pointer avec la lampe torche comme il faut, allumer la lumière et on y va. Le problème, c'est la lumière. On est censé faire signe au premier pilote, puis au deuxième. On allume et c'est parti. Si tu pars avant la lumière, c'est l'autre qui gagne. On a l'argent, on va faire ça bien cette fois. On va allumer la lumière et s'ils partent avant, bah, c'est perdu. Allez, on y retourne. Tout droit, allez, 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 stop. Il y a quelqu'un sur la ligne d'arrivée ou pas? Laisse les deux voitures revenir, c'était ça le deal. Il y a les flics, on se casse. La police vient d'arriver dans la rue. Les racers vont devoir maintenant tester leur rapidité à déguerpir. Exactement comme dans le film Fast and Furious. C'est toujours la police qui siffle la fin de la partie. Ce soir-là, la police se contente de dissuader les racers. Mais face au phénomène, les autorités peuvent être beaucoup plus sévères. Aux États-Unis, les opérations de grande ampleur sont légion. Elles se soldent souvent par des dizaines d'arrestations. Nous avons de nouvelles informations ce soir sur un gros coup de filet dans le monde secret des courses de rue. Exemple ici, lors de cette descente massive dans le sud de Los Angeles. Les racers venaient de toute la Californie. La police a dû déployer des moyens colossaux avec hélicoptères et chiens renifleurs pour repérer les véhicules et stopper la course avant qu'elle n'ait lieu. Une nouvelle unité a même été spécialement créée dans la Cité des Anges pour enrayer le développement des courses de rue.
Pour mieux comprendre le travail des policiers constamment confrontés au phénomène des raceurs, un journaliste s'est rendu à Kent, dans la banlieue de Seattle, pour suivre une brigade très spéciale. Une brigade qui a fait un étonnant pari. Infiltrer plusieurs policiers dans la communauté des raceurs afin de mieux les neutraliser. Exactement comme le personnage de Paul Walker dans Fast and Furious. Bon, on va lancer une nouvelle opération contre les courses de voitures illégales. L'agent sera notre infiltré ce soir. Il conduira une couleur argent. Les courses démarrent d'un coup et se répandent comme une traînée de poudre dans la ville. Où qu'elles se déroulent ce soir, on sera présent. Certains policiers locaux disposent d'une arme fatale, une voiture customisée. Dans le milieu des raceurs, elles se font totalement dans la masse. Discrétion assurée. On a retiré les phares de toit. Les feux sont à l'intérieur pour éviter de se faire trop vite repérer. Elle offre une meilleure reprise pour l'autoroute ou pour intervenir lors d'une course clandestine. Avec ça, ils ont peu de chances de nous semer. Les gars qui font ces courses sont équipés de voitures à moteur 4 cylindres gonflés. La nôtre peut facilement atteindre les 190 km/h, voire plus. La nuit s'annonce chargée. Peu avant minuit, grâce à leur informateur, les policiers apprennent l'imminence d'un immense rassemblement de raceurs. Aux autres unités, on a 200 à 300 candidats ce soir. Reçu. Toute la partie nord de la ville est une zone industrielle avec de longues lignes droites. À cause des vitesses qu'ils peuvent atteindre, les coureurs risquent facilement de perdre le contrôle de leur véhicule, de se rentrer dedans ou encore d'aller percuter des piétons qui assistent au spectacle. S'ils percutent la foule, ils peuvent tuer des gens. On prend ça très au sérieux. Comme à chaque fois, ce sont dans des parkings de stations-service que le regroupement a lieu. Ils ne passent pas inaperçus, mais les raceurs ont mis tous les moyens de leur côté pour échapper à la police. Ils sont des guetteurs. Ils nous voient arriver. Ils écoutent le canal de la police grâce à des applis sur leur iPhone. On essaie de contourner ça avec notre ordinateur. Hey, ils sont dans les parages. On s'arrange vite. On se tire. Un guetteur nous dit qu'un flic arrive. On fait passer le mot et tout le monde dégage. Ce soir, les guetteurs font particulièrement bien leur travail. Ils ont repéré la police à proximité et décident de changer au dernier moment le lieu de la course. C'est parti. Mais la présence d'infiltrés parmi les raceurs est d'une grande aide. Ils informent en temps réel les forces de l'ordre des derniers changements de programme. On se dirige apparemment vers la 236e et la 54e. Notre agent file vers l'ouest. On va essayer de le rattraper et de voir où les coureurs se dirigent. Mais il les a pratiquement tous localisés. La police est en route, mais les courses ont déjà commencé. Mais là encore, les guetteurs alertent les coureurs. À l'arrivée des forces de police, il n'y a plus personne. On les a ratés peu. Ça faisait pas mal de temps que je n'en avais pas vu autant. Une route qui a servi de terrain de jeu pour racers en garde les stigmates. On voit toutes les marques de gomme sur la route. On sent aussi l'odeur du caoutchouc brûlé des pneus et des freins. Il y a bien eu une course. On est arrivé une minute trop tard. Mais la soirée est particulièrement chargée à Kent. Nous sommes vendredi soir et les courses se multiplient. Un accident de la circulation impliquant des raceurs vient d'avoir lieu à quelques kilomètres de là. On vient d'être envoyé sur un lieu d'accident avec blessure dans l'une des zones industrielles de Kent. On nous a rapporté que l'un des coureurs fuyait à pied. Deux voitures de raceurs se sont percutées alors qu'ils fuyaient la police. Les conducteurs continuent leur course à pied. Voilà notre homme qui court. 14-11, suspect en fuite. Arrêtez! Arrêtez! Police, arrêtez! Arrêtez-vous! À terre! Tout de suite! J'ai dit à terre! 14-11, je le tiens en joue à l'ouest de mon véhicule. 14-11, suspect menotté. Je vous arrête pour entrave à l'action de la police, pour commencer.
Heureusement que vous vous êtes arrêté, sinon j'aurais utilisé le taser. Ça finit pas trop mal pour vous. L'autre racer reste introuvable. Sa voiture, elle, n'est plus qu'un tas de ferraille. Il y avait forcément un autre type dans l'autre voiture. On vient de lancer le chien pour le traquer. Il est là! Planqué sous le camion! Sortez de là-dessous! Sortez de sous ce camion ou on lâche le chien! Dépêchez-vous, sortez de là! C'est quoi ça? Je sais pas. Vous êtes sûr? Je vous jure. C'est bien votre pantalon? Oui. Et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien dans mon pantalon là. Parce que je viens d'enlever ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça faisait là? Je sais pas, monsieur. Vous savez ce que c'est? Oui. C'est quoi? Un chargeur. De quoi? Je sais pas. Un chargeur d'arme à feu. Vous avez une fracture ouverte. En plus de s'adonner à des courses de rue, les deux hommes ont bu. Course-poursuite, alcool, arme à feu. Un vendredi soir classique à Kent. Avec l'éternel jeu du chat et de la souris entre police et racer. Un jeu grandeur nature qui s'avère tout le temps dangereux, parfois mortel. Le phénomène des courses de rue n'épargne personne. La jeunesse dorée américaine est également touchée. La nouvelle mode chez les adolescents de la ville bourgeoise de Santa Clarita, rouler à pleine vitesse au bord du précipice. Là, il n'est pas question d'argent, juste d'adrénaline. Tyler et Nicholas ont failli y perdre la vie. Tout ce dont je me souviens, c'est l'impact et le pare-brise qui volent en éclats. Après ça, l'airbag m'a complètement sonné. Puis j'ai vu les ambulances, la police, les pompiers. Et je me suis dit que tout allait s'arranger. Dans leur chute de plus de 50 mètres, les deux amis ont eu de la chance. L'un est indemne, l'autre s'en sort avec deux jambes cassées. Un miracle. Tout ce que je me disais, c'est que j'allais mourir comme ça. Aucun moyen de m'en sortir. Je vais dire au monde entier ce que j'ai fait, sur cette colline. Il faut vraiment faire attention à ses enfants et à leur façon de conduire, surtout dans un pays où on a le permis à 16 ans. Pour Tyler et Nicholas, le drame a été évité de justesse. Les adolescents ont joué avec leur vie et l'ont payé d'une grosse frayeur. Fast and Furious est une saga folle et fun. Mais la réalité est souvent juste tragique. Les racers font parfois des victimes qui n'ont rien à voir avec la course automobile. Février 2016. Michel Littlefield rentrait d'une journée entre amis à Disneyland lorsqu'une voiture l'a violemment percuté sur l'autoroute. Mon mari m'appelle et me dit « Michel était dans l'accident et elle est décédée. » Et je le savais avant qu'il me le dise. Je le savais. J'avais un pressentiment. Depuis que j'avais constaté le matin qu'elle n'était pas dans sa chambre, je savais que quelque chose d'horrible lui était arrivé. La jeune femme et ses amis sont les victimes collatérales d'une course de rue qui a mal tourné. J'ai compris qu'ils faisaient du speed racing et qu'ils pouvaient rouler jusqu'à des vitesses allant jusqu'à 190 km/h. C'est une vitesse incroyable. Et là, ils ont percuté un semi-remorque. Et le semi-remorque s'est d'abord soulevé et a percuté la glissière de sécurité, puis il s'est enflammé. Et il a démoli la voiture où ma fille se trouvait. Le toit entier de la voiture a été arraché. Pour le père de Michel, ces fous de la vitesse doivent être tenus pour responsables. Ça se termine toujours fatalement. C'est la mort, la souffrance, la prison, le coma, les incendies. Et ils en ont fait une culture. Mais c'est une culture du crime. C'est la mort. Mais ils n'en ont rien à faire parce que ça rapporte de l'argent. Vous savez, on a perdu. C'est la loi de la jungle.
On aime penser que ça ne l'est pas, mais ça l'est. Vous savez, des choses terribles arrivent tous les jours, et elles m'ont touché, moi aussi. Mais il y a beaucoup d'autres victimes qui meurent de cette folie des courses de vitesse. Jim Holt couvre la rubrique criminelle au sein du journal local The Signal. Pour lui, le culte de la voiture et de la vitesse est un vrai problème de société. C'est une culture, ce n'est pas juste à cause de la saga Fast and Furious. Tu sais, la plupart des gens ici ne peuvent pas se payer une maison, de grande maison. Mais ils peuvent se payer une voiture. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est tout ce qu'ils ont. Après, oui, le film te pousse à prendre la route et à rouler vite, très vite. Fast and Furious ne présenterait donc à la société qu'un miroir de ses propres pulsions de mort. Le film et le succès de la saga, ça dit des choses sur nous. Mais en même temps, ils l'ont fait parce qu'on l'a déjà fait. Donc, on en fait un film et nous, ça nous donne envie d'aller plus loin encore. C'est un cercle vicieux. Les polices du monde se sont adaptées au phénomène. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, la police a misé sur une stratégie inattendue. Elle a modernisé sa flotte. McLaren, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, Ferrari. Les forces de l'ordre roulent dans les mêmes voitures que les racers et les fous du volant. La sécurité routière est un véritable enjeu public dans ce petit état du Golfe, avec un mort toutes les 26 heures. Partout dans le monde, la réponse des forces de l'ordre est à la mesure du phénomène. En Italie, la Polizia s'est dotée de Lamborghini pour pouvoir rivaliser avec certains fous du volant et les neutraliser. En France, l'État n'a pas opté pour l'acquisition de voitures de sport pour sa police, mais pour des stages pilotage réservés aux policiers. Des cours qui peuvent s'avérer très utiles pour lutter, par exemple, contre les go-fast, ces voitures chargées en stupéfiants qui roulent à tombeau ouvert à travers la France. De toute façon, pour les jeunes délinquants, il n'y a pas de vitesse limite. S'ils peuvent nous fuir, ils vont fuir à toute vitesse, ça c'est sûr. Eux n'ont pas de vitesse limite. C'est pour ça qu'un stage comme ça est très, très important, parce que nous, déjà, on apprend à bien conduire. Et souvent, ils font des heures de pilotage. En France, les courses de rue ne font pas légion comme aux États-Unis, mais des rodéos urbains ont fait leur apparition. Il existe des réunions sur certains secteurs de rodéos automobiles, mais ce n'est pas des rodéos comme dans Fast and Furious, avec des grosses voitures, des grosses berlines qui coûtent je ne sais pas combien de milliers d'euros. C'est des rodéos sur des grandes lignes droites. Des grandes lignes droites où il y a beaucoup de spectateurs. Je dirais qu'il y a entre 300 et 400, avec une cinquantaine de véhicules. Ces policiers ont accepté que nous les suivions pendant les deux jours que dure ce stage. Nous sommes à Fayes-de-Bretagne, près de Nantes. Ils sont 12 et ils font tous partie de la brigade anticriminalité. Leur but, tenter d'obtenir un papier administratif très utile. C'est une habilitation, voilà. Sous forme de carte, c'est une habilitation à la conduite des véhicules rapides de la police nationale. Grâce à cela, ils seront les seuls à pouvoir conduire les véhicules les plus rapides de leur commissariat. Un sésame pour eux. Le premier jour est réservé aux cours et à la formation. Le deuxième jour, plus stressant, sera celui de l'examen. Environ un policier sur deux obtiendra son agrément. Une formation théorique suivie d'une mise en pratique directe sur le circuit. Au programme de cette première journée, améliorer la trajectoire de leur véhicule. Attention, pour cet exercice, le port du casque est obligatoire. Allez, on va déjà aller prendre la mesure de la piste. Rigoureux sur le poids de corde. Sortie et gaz en grande quand on allait en droite. 6000 pour la 4, 6000 pour la 5. Le but, c'est d'optimiser la conduite au niveau de la sécurité, mais également de l'efficacité. Des fois, ne serait-ce que gagner 2 km dans un virage, c'est déjà beau. Allez, on y va. Allez, 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 fais-moi confiance. Vas-y. Allez, 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 allez. On peut passer plus vite. Regarde bien ta trajectoire. Vas-y, sur ce rythme. Un petit peu tard à l'entrée. On est plus tard à l'entrée.
deuxième et dernier jour du stage. C'est l'heure du grand test. En quelques tours de piste, ils vont devoir prouver qu'ils sont devenus des pilotes émérites. Alors, si vous en gardez sous le pied, nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que lorsque vous serez en mission, lorsqu'il y aura une situation d'urgence, lorsque ça sera nécessaire, vous allez rouler vite. Donc, nous, ce qu'on veut voir, c'est comment vous roulez lorsque vous roulez vite. Est-ce que vous êtes calme, serein, concentré ? Ou à l'inverse, est-ce que vous êtes complètement stressé ? Ou est-ce que vous avez tendance à prendre des risques ? On sait que c'est un examen, que ça engendre un petit peu de stress. Prenez du recul avec tout ça. Les instructeurs arrivent. Chacun dans une voiture. Les policiers vont passer l'examen les uns après les autres. Un examen confidentiel dont nous n'avons pu filmer que le départ. Certains semblent déçus par leur prestation. Je dois rentrer chez moi. J'ai senti, je sentais que ça glissait. J'ai voulu trop faire. D'autres plus heureux. Ok, c'est bon, ça passe, Ray. Hein, c'est juste grâce au dernier. Finalement, sur les 12 participants, 8 vont repartir avec leur habilitation. Les 4 autres auront gagné le droit de participer à nouveau à ce stage s'ils ont une note suffisante. Et un jour, de pouvoir conduire les voitures les plus puissantes de la police française. Les seuls à rivaliser avec certains fous du volant. Des fous du volant qu'on préfère croiser plutôt sur circuit que dans les rues des villes. Car oui, il existe une alternative pour les amateurs de vitesse, la légalité. À quelques heures de voiture de Los Angeles, le Willow Spring Raceway. Niché en plein désert, ce circuit vieux de 60 ans propose des centaines de mètres de pistes à ses clients, comme Marty. ...427 par 600 chevaux. Et avec ce procédé, je peux injecter 200 shots de nitro. Fan de voitures et surtout de gros cylindrés, il a même participé à la saga Fast and Furious. J'adore Fast and Furious. Je travaille ici sur la piste. Et on m'a appelé pour faire la sécurité sur le tournage et m'assurer que tout allait bien. Et là, l'équipe a vu ma voiture et ils m'ont filmé en train de chauffer la gomme sur la piste, un peu comme un dragster. À 16 ans à peine, permis de conduire en poche, Marty s'est lancé dans le business des courses de rue. Quand j'étais plus jeune, on se faisait pas mal d'argent. On allait à Bakersfield, dans Chester Avenue, ou dans d'autres endroits, et on pouvait se faire jusqu'à 5 000 $ dans la nuit. Dès que tu tiens le volant et que tu t'élances dans une course, c'est un pic d'adrénaline. C'est addictif. Quand tu commences à faire ça, c'est très dur d'arrêter. Si au cinéma, tout se finit toujours bien, Marty, lui, a fini au poste. J'ai été arrêté. Ils ont réquisitionné ma voiture et je suis allé en prison. Depuis, ce père de 3 enfants a levé le pied. Le plaisir est intact, mais la sécurité est devenue primordiale. C'est beaucoup plus sûr ici que dans la rue. Un gars a brûlé le feu rouge pas loin d'ici l'autre jour. Sa voiture a été complètement démolie alors qu'il rentrait du travail. Au moins ici, il n'y a personne autour de toi. Si tu te crashes, tu te crashes. Mais tu n'emportes personne avec toi. Comme Marty, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour la vitesse sur circuit. Ils viennent ici pour l'adrénaline, pour le frisson de la vitesse que tu ne peux pas ressentir de manière sûre quand tu es dans la rue. Donc oui, je crois que les gens viennent ici pour prendre des jets, pour l'accélération et ce genre de choses. Tu peux venir ici et conduire sur le circuit à toute vitesse. Il n'y a pas de limite ici. Le Las Vegas Motor Speedway. C'est près de 2 km de piste. Une ligne droite de plus de 500 mètres. 7 virages. Le paradis des férus de vitesse. À la tête d'Exotics Racing, la société qui gère ce circuit, Romain Thiévin, doublure de Matt Damon dans la saga Jason Bourne. Avec ses associés et sa compagne, Chloé Morteau, Miss France 2009, l'ancien pilote propose à ses clients une flotte sans équivalent et partage sa passion de la supercar.
J'ai conduit beaucoup de ce genre de voitures et je suis tombé amoureux d'elles. J'adore les regarder, j'adore les entendre. Le moteur V12 d'une Ferrari fait un son incroyable. D'ailleurs, pour moi, c'est de la musique, c'est pas que du bruit. Et je continue d'adorer les sensations que procure la vitesse sur circuit. Vous savez, ici, nous avons des voitures qui tournent déjà à 600 chevaux et d'origine en plus. C'est pas la peine de les modifier pour les faire rouler plus vite. Elles sont suffisamment puissantes. Prix plancher, $200 pour quelques tours de piste au volant d'une Ferrari, Lamborghini, Porsche ou Corvette. Pour les plus riches, l'expérience se facture en milliers de dollars. On considère que c'est une expérience VIP de pouvoir conduire autant de voitures, qui sont en plus très chères. On a aussi pas mal de clients très riches qui viennent ici pour tester les voitures avant de les acheter. Plus la peine de risquer sa vie ou celle des autres dans des compétitions sauvages en pleine rue. Le business marche aussi quand on reste dans les clous. Ironie de l'histoire, la police américaine a même ses habitudes sur le circuit. Même le shérif de Las Vegas vient ici régulièrement pour améliorer sa conduite et progresser dans les courses-poursuites avec les gangsters en ville. Mais c'est une autre cliente qui fait la fierté des propriétaires. Un membre du casting Fast and Furious, Michelle Rodriguez, en personne. Oui, moi j'aime l'action. Et j'ai trouvé une équipe à Vegas avec qui ça se passe super bien. On partage ensemble mon amour pour les frissons, pour l'adrénaline et la découverte. Elle vient régulièrement sur le circuit à Las Vegas pour conduire nos voitures. C'est pour le plaisir, mais aussi pour s'entraîner et avoir une conduite la plus réaliste possible dans les films. Elle est vraiment addict à l'adrénaline, pas seulement à la vitesse. Son personnage dans les films est exactement le même que dans la vie. Elle joue son propre rôle, en fait. Elle demande à regarder les vidéos de ses sessions de conduite. Elle veut voir les réactions de son visage lorsqu'elle est en plein rush d'adrénaline, en plein freinage ou en plein dérapage. Michelle Rodriguez, ou la conscience professionnelle qui tourne à plein régime. Quand je conduis, tout est sous contrôle. Faites surtout pas ça chez vous. Évidemment, cet incroyable circuit de Las Vegas fait saliver tous les mordus d'automobiles autour du monde. Nous sommes à Dijon, dans un garage spécialisé dans la customisation des voitures. Un garage à proximité d'un aéroport dont ils peuvent de temps à autre utiliser l'une des pistes. Le propriétaire des lieux, Aurélien, aimerait aller plus loin et transposer en France ce que Romain Thiévin a fait à Las Vegas. Ce qu'il a fait, Romain Thiévin, c'est ce que plein de gens voudraient faire, je pense. Et moi le premier, d'ailleurs. Donc j'essaye de faire pareil ici. D'emblée, Aurélien annonce la couleur. Le mot « passion » est sans doute trop faible pour décrire ce qui l'unit aux voitures. C'est-à-dire que quand tu vas au cinéma, c'est pour aller voir des films de voitures. C'est tes enfants. Moi, mes gamins, il y en a un, il a 5 ans, l'autre, il a 1 an et demi. Les deux, ils font du quad. J'ai une GTR qui fait 1000 chevaux, ils montent en passager, il faut que j'accélère à fond. Enfin, c'est dans notre sang. Il faut que ça sente l'essence, il faut que ça... C'est la voiture. Aurélien fait partie d'une association de propriétaires de véhicules tunés qui se réunissent régulièrement pour exhiber ce qui fait leur fierté, leur voiture, qui ne ressemble vraiment à aucune autre. Une chose est sûre, ils sont tous fans de Fast and Furious. Fast and Furious, pour moi, c'est la passion de l'automobile, de la belle carrosserie, aussi bien américaine que japonaise. C'est ça qui m'a donné envie de me lancer là-dedans plus tard. Je pense que sans ces films, au jour d'aujourd'hui, j'aurais pas cette passion-là de la voiture, de la mécanique. Enfin voilà, tu vois, au cinéma, c'est un truc de malade. Alors bien sûr, ne pas reproduire sur la route, mais à l'époque, moi j'avais 20 ans, 21 ans, tu reproduis sur la route, donc tu te fais serrer et puis voilà, ça te calme vite.
À défaut de reproduire la conduite des héros de Fast and Furious, certains ont reproduit à l'identique des voitures emblématiques de la saga. Comme cette jeune fille, propriétaire d'une Ford Escort, un modèle mythique pour les fans. J'ai été voir le film Fast and Furious 6 et justement, elle était dans le film à un passage et j'ai beaucoup aimé, je la trouvais assez belle et tout. Et donc, à la mort de Paul Walker, j'ai voulu acheter la même et j'ai regardé et puis voilà, je l'ai achetée. Autre puriste de Fast and Furious, Benjamin, qui s'est mis en tête de reproduire la Toyota Supra conduite par Paul Walker dans tous les épisodes. Un long processus pour arriver à ce niveau de ressemblance et de perfection. Elle a été poncée, puis ensuite elle a été apprêtée, puis ensuite elle a été peinte en blanche, puis ensuite orange, puis ensuite un nacre a été mis sur la couleur orange pour avoir le rendu qui à la base est un code couleur Lamborghini Gallardo de 2001. Elle a les modèles identiques à celle du film du premier de la saga, de Fast and Furious 1, qui m'a toujours passionné. Fierté supplémentaire du propriétaire, les jantes de sa voiture auraient été utilisées dans le film. Elles sont identiques et elles ont participé aux cascades du premier film. L'automate, le volant et le système son sont de la même marque que ce qu'ils avaient utilisé à l'époque dans le film. Mais la beauté a un prix, 15 000 euros de customisation pour cette voiture. C'est presque petit bras quand on découvre que certains ont mis l'équivalent d'une maison dans leur véhicule. Je compte pas combien je dois dépenser, mais au jour actuel, rien que dans la mienne, j'ai déjà dépassé les 100 000 euros avec tout ce que j'ai fait dessus. Enfin, je compte l'achat avec, hein, qu'on soit d'accord. Et puis, je compte aussi les frais de casse, parce qu'il y en a eu. Hein. Évidemment, quand on a mis autant de passion, de temps et d'argent dans une voiture, de temps en temps, il faut la conduire et même la pousser un petit peu. Et pour ça, il y a l'Allemagne, un paradis pour les fous de vitesse. Bon, on va en Allemagne, en fait, parce qu'il y a certaines portions qui sont illimitées et on essaye d'aller plus vite possible à cet endroit-là, toujours en faisant attention, évidemment. C'est vraiment un peu un défi, je dirais, d'essayer d'atteindre le maximum du potentiel de la voiture et de découvrir jusqu'à où elle peut aller. Puis après, d'essayer de la préparer, de gagner encore un peu plus ou d'aller encore plus vite avec une autre. Pour ces amoureux de la voiture, la France n'offre pas la possibilité de faire des courses entre eux comme aux États-Unis. En France, donc, il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de voitures de sport, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des courses. Mais il n'y a pas d'endroit. Moi, je me rappelle, en 2004-2005, j'avais essayé d'aller vers un aérodrome pour essayer de louer la piste ou qu'ils nous la prêtent. J'avais essayé d'aller sur un circuit, toujours refusé. Donc bon, finalement, tu restes sur l'illégal parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est pas un choix, il n'y a pas de choix. En 2001, la saga Fast and Furious a braqué les projecteurs sur la culture de la supercar, jusque-là perçue comme une sous-culture où se côtoyaient garagistes à court d'argent, forcenés de la mécanique ou pilotes frustrés. 15 ans plus tard, booster sa voiture ou la customiser pour en faire un objet de collection coûte extrêmement cher et ne s'adresse pas à n'importe qui. Je crois que les voitures qui nous excitent sont celles qui ont été construites à la main par leurs propriétaires. Des gens qui ont passé une année entière dessus, comme les Camaro par exemple, où tous les composants sont rassemblés au fur et à mesure. Ils y mettent des centaines de milliers de dollars et des centaines d'heures de travail. Et tu sens l'amour et la passion qu'ils ont mis dedans. Alan Pelletier s'est spécialisé dans la personnalisation de la jante automobile. 70% de son chiffre d'affaires se fait aux États-Unis, mais le marché se développe considérablement à l'étranger. Sa clientèle, des stars comme Michael Jordan ou des gens fortunés. Notre premier prix, c'est 2 500 $ un jeu de jante. Ça peut monter jusqu'à 12 000 ou 15 000 $ pour 4 jantes. Mais notre produit le plus vendu aujourd'hui coûte aux alentours de 10 000 $. Quel que soit le client, la motivation est souvent la même. On fabrique des biens de luxe. Personne n'a besoin de ces jantes de luxe. En revanche, on en a envie. Quand tu conduis une Ferrari, tu veux qu'elle soit différente de celle de ton voisin. Smack. Se différencier donc, mais s'amuser surtout. C'est aussi ça l'esprit Fast and Furious. Et pour les millionnaires en mal de frisson, il y a le Gumball 3000. Les plus belles villes du monde servent de décor à ce rallye organisé comme une grande colonie de vacances pour les people fans de supercars.
Édimbourg, Londres, Oslo, Ibiza et même Paris où ils sont reçus comme des superstars. Ça, c'est la Tour Eiffel. On y est. On est arrivé à Paris. C'est tellement excitant. J'avais jamais vu ça ailleurs à part à Vegas. Mais on n'est pas à Vegas, mon gars. On est à Paris. Il va falloir que je fasse une petite vérification des roues après être passé sur les routes pavées qu'on trouve à Paris. La police française a été gentille avec nous aujourd'hui. Apparemment, Paris n'a pas beaucoup de stations essence. En tout cas, elles sont impossibles à trouver. Mais maintenant qu'on a fait le plein, on peut y aller. La plupart des 150 participants sont des vedettes, des rappeurs, des mannequins, d'anciens pilotes. Inspiré du mythique Cannonball Run, un ancien raid automobile sur routes ouvertes organisé illégalement aux États-Unis dans les années 70, le principe du Gumball est simple. Boucler 5000 km en 6 jours, sans chronométrage, au point de contrôle. Conséquence, les pilotes franchissent régulièrement la ligne jaune. Merci la France, vous avez pris mon permis. Ils m'ont mis une amende de 750 € et après ils ont fait un selfie. Seule contrainte, 12 000 euros de frais d'inscription. Pour le reste, rien n'est interdit aux participants. Je n'ai pas perdu mon permis de conduire. J'ai seulement payé une petite amende pour excès de vitesse. J'adore ce pays. Les autorités des pays traversés voient cette course d'un très mauvais œil. Les fans de belles cylindrées l'adorent. Et pour ceux qui n'ont décidément aucune limite et n'ont surtout pas peur de mettre beaucoup d'argent dans un bolide, il reste un ultime défi, le record de vitesse. Trois véhicules se disputent le titre officieux et honorifique de la voiture la plus rapide du monde. La Hennessy Venom GT, la Bugatti Veyron Supersport et la Koenigsegg CCR. La Hennessy est américaine, la Bugatti française et la Koenigsegg suédoise. Trois constructeurs, deux continents et un seul but, repousser les limites de la technologie et du génie humain. Pour relever un tel défi, rien n'est laissé au hasard, comme ici en Suède, à Ängelholm, dans l'usine d'assemblage de la Koenigsegg. Là, ça permet la stabilité à vitesse très rapide, moins de turbulence, pas de support sous l'aileron, mais un support sur le dessus qui est un véritable support actif. L'aérodynamisme est essentiel, la motorisation aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait la spécificité de la Hennessy, sa concurrente américaine. Vous voyez ce moteur, il fait 19 livres de pression et produit 1200 chevaux pour 1155 livres de couple. Pour le test d'aujourd'hui, on a fait une petite mise au point et nous sommes à un peu moins de 1000 chevaux, 950 exactement. Et je crois qu'on est arrivé à 850 au niveau des roues sur le banc d'essai. Bref, des monstres. Le 24 février 2014, au Kennedy Space Center, le complexe de lancement spatial de la NASA en Floride, la Venom GT entre dans l'histoire. Le météore américain atteint la vitesse record de 270,49 miles à l'heure, soit un peu plus de 435 km/h. Yeah, jamais une voiture n'avait roulé aussi vite. Et le record tient toujours, 3 ans après. Petit bémol, le livre Guinness n'a pas homologué la performance. Mais ce chrono, hors norme, va permettre aux constructeurs américains de commercialiser le modèle à 69 exemplaires. Et qui sait, cette voiture pourrait un jour faire partie du prochain casting de Fast and Furious.